Rasmara. Alors, mon cher ami docteur Manoucher Rasmara, la cause de cette ignorance et autocensure qui existe en Occident, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont peur ou est-ce qu'il y a des complots dans le pouvoir financier, politique, je ne sais pas quoi? Parce que de toute façon, nous avons des historiens, que ces historiens-là sont censurés. Dès qu'ils disent quelque chose, ils sortent le mot islamophobie. Surtout, phobie, ça veut dire avoir peur. Moi, j'ai pas peur d'un PD. Pédophilie. On peut pas, on n'a pas peur. Pour ça, phobie là-bas, c'est interdit. Mais phobie de l'islam, que depuis 14 siècles, c'est-à-dire avoir peur de l'islam, c'est normal. Vous-même, votre frère, premier ministre d'Iran, un grand général iranien, il était assassiné par les islamistes. Il portait le nom ministre. Islamiste, terroriste islamiste, il a déjà 60 ans. Mon père était assassiné, il a déjà 35 ans. Et des milliers de gens ont été massacrés, assassinés, ça continue dans le monde musulman jusqu'à maintenant. Alors, on a tout à fait raison d'avoir peur de l'islam. Mais j'ai pas peur d'un PD, je l'aime bien en plus. C'est pour ça, islamophobie qu'ils ont inventée, mon cher ami, docteur Rasmara, c'est comme vous venez de dire, c'est-à-dire pour justifier la défense de cette politisation religieuse qui est en train d'avancer jour après jour dans la société, il est en train d'avancer. Vous voyez les gens qui sont voilés, à l'époque n'étaient pas voilés. Les gens qui ne vendent plus d'alcool dans les restaurants qu'ils vendaient depuis hier. C'est-à-dire ils sont en train de islamiser le pays. Mais on devait se taire. On dit, ne dites rien. Alors cette ignorance et cette autocensure, mon cher ami docteur Manoucher Razmara, ça vient d'où, s'il vous plaît, à votre avis? À votre avis. C'est uniquement par intérêt économique pour dominer les richesses de cette région. Parce que vraiment, le malheur qui est arrivé en Iran, évidemment, le coup de grâce avait été donné, avait été tiré par l'administration Carter. Mais réellement, le complot a bien commencé en Iran au moins depuis 1967 ou 68, quand Kissinger et sa bande, Kissinger et Brzezinski, ils ont été au pouvoir. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à lire le livre de Kissinger qui est paru depuis 5 ans. Noir sur blanc, c'est écrit que cette région qui est pleine de richesses, c'est l'Amérique qui doit dominer, qui doit contrôler ces richesses. Ils ont créé cet islamisme, d'ailleurs ils n'ont pas seulement amené Khomeini, ils ont créé Taliban, ils ont créé Al-Qaïda, ils ont créé Daesh, tous ces mouvements terroristes sont des créatures des États-Unis. Ça, maintenant, si je choque ce soir des bons gens, ils sont pour leurs frais. Mais la question, c'est une réalité. Ce qui s'est passé en Iran, le projet était bien commencé par le groupe des penseurs autour de Kissinger, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères de Nixon, qui apparemment était un protecteur et était un allié vraiment, apparemment sincère. Pour le Shah d'Iran. Voilà. Alors donc je ferme la parenthèse, mais la question c'est que regardez ce qui s'est passé. C'est pour dominer, pour s'approprier de toutes les richesses de cette région, en créant des agitations, des guerres et des petites guéguerres, et en plus de ça, ils ont dans leur projet géopolitique et géostratégique de remodeler la carte de cette région. Ils ont commencé par détruire l'Irak,
ils ont commencé par détruire la Syrie, ils ont déjà aussi commencé à faire des guerres et des agitations et vraiment de diviser aussi en plusieurs, au moins en trois secteurs, l'Afghanistan. Maintenant, malheureusement, ça arrive la tour de ce pauvre Iran qui est vraiment la victime de ce complot. Et ceux qui menacent actuellement l'Iran, que ces religieux, le régime de Khamenei, le régime islamiste, persiste, où qu'ils s'en aillent, ça s'accompagne. S'ils persistent, l'Iran disparaîtra à plus ou moins longue échéance. S'ils s'en vont aussi en créant ce qu'ils viennent de faire, des massacres et des génocides, c'est aussi vraiment un danger mortel pour l'Iran. Alors voyez-vous dans quel état ils ont mis la région et en particulier notre grand pays, l'Iran. Et tout ça, M. Avesta, vous m'avez posé la question, pourquoi? C'est oui. Uniquement pour oui. Dominer toutes les richesses sous l'égide des Américains en particulier, et en plus de ça, deuxièmement, je précise que je ne suis vraiment pas anti contre les Israéliens, mais je suis contre les sionistes. À l'heure actuelle, la politique du sionisme dans le secteur, c'est surtout consiste à créer toutes ces agitations, toutes ces guerres. C'est ça vraiment, M. Avesta, la réalité des choses et qui a deux buts essentiels, la sécurité de l'Israël et deuxièmement de dominer géopolitiquement et géostratégiquement toutes les richesses de cette région. Concernant la révolution islamique en Iran, Dr Azmara, mon cher ami, vous nous avez donné des informations assez intéressantes. Et surtout, le business plan qui a été écrit au moment 5 ans avant que Shah d'Iran, 5 ans avant de la révolution, Shah d'Iran, il va annoncer en 1975 comme quoi il va pas renouveler les contrats de pétrole avec les Britanniques. Et exactement à ce moment-là, il y a un banquier en prison en Suisse, Paul Erdmann, il va faire un bouquin, projet de chute des Shah d'Iran et projet de la guerre chiite-sunnite que nous voyons maintenant. Il est sur la scène politique internationale, c'est-à-dire Paul Erdmann, il est mort, mais la crash 79 a été traduit en plusieurs langues, mais tout le monde a oublié. C'est-à-dire même, Dr Razmara, tout ce que vous venez de dire, c'était programmé, planifié, écrit, même 5 ans avant de la révolution, c'est-à-dire juste exactement le moment que Shah d'Iran il dit qu'il ne va plus renouveler le contrat de concession de pétrole avec les Britanniques. Je me rappelle très très bien, mon cher ami, et Dr Razmara, c'est vous-même que vous m'avez donné ce livre-là que j'ai lu, La Crash 79, c'est-à-dire exactement l'année de la révolution islamique, par Paul Erdmann. J'aimerais bien que vous nous donniez un peu plus d'explications à ce sujet. Mes chers amis, nous sommes avec Dr Manoucher Razmara, dernier ministre de la Santé du Shah d'Iran et ami très proche de Shapur Bakhtiar. La confiance que Shapur Bakhtiar, la dernière première ministre du Shah d'Iran, avait sur Dr Razmara, c'était énorme, chers amis. C'est-à-dire, il avait une partie politique, il avait des amis, il venait de tribu de Bakhtiar, c'est une tribu assez connue en Iran. Mais il avait qu'un seul ami. C'était la personne qui est avec nous ce soir, Dr Manoucher Razmara. Surtout quand il va envoyer un message pour Khomeini, puisque Dr Razmara est en France, il est à Paris, il est médecin, cardiologue, il va l'envoyer par Dr Razmara
et beaucoup de confidences qui a été fait à Dr. Razmara, qui en va parler dans les prochaines émissions. Déjà, on a parlé beaucoup ensemble sur cette antenne, et que je remercie beaucoup Dr. Manoucher Razmara.